Poème prophétique. Le fils de perdition. 9 juillet 2018. Message de Yahushua Yahuwah, délivré à sa messagère et prophète Gwendolyn Song, traduit et lu par Justine. Il aura un feu dans ses yeux. Le feu de l'enfer. Il aura un charisme qu'il partage avec tous ceux qui mangent à sa queue de dragon. C'est lui, celui dont parle le prophète Daniel, le fils de perdition. L'apogée qu'il puisse jamais atteindre est sur le point de commencer. Es-tu prête, épouse de Christ? Oh! Il sera magnifique, du moins il en donnera l'apparence. Mais ceux qui marchent dans la sainteté verront l'abjection germant entre ses dents. Il aura des crochets de poison et une disposition pour charmer. Il apparaîtra comme le plus grand donateur de cadeaux gratuits, mais il compte vous faire le plus grand mal. Il fera son entrée en chevauchant son cheval blanc. Il tiendra des discours pompeux sur ses compétences. Le désir de son cœur est de tuer, tuer et tuer. Mais je serai là au milieu de vous. Je serai encore sur terre. Je marcherai à côté de mon saint vestige, vous guidant dans mon plan éternel. Certains seront conduits dans les camps de la Féma, d'autres seront conduits dans des gozaines. Certains seront là, arpentant les rues, criant « Repentez-vous, car le Messie est saint !» Ils prononceront une nouvelle parole de sagesse et du saint feu pleuvra d'en haut. Mes enfants, vous avez un choix à faire maintenant ou vous pouvez le faire plus tard. Décidez de me donner votre tout pleinement ou basculez dans ce choix pendant les grandes tribulations. Choisissez maintenant, choisissez-moi. Ne détournez pas votre cœur alors que je vous offre mon don gratuit de vie éternelle. Choisissez la vie, choisissez la liberté et moi. Je donnerai à votre vie un nouveau départ et retirerai toute iniquité. Faites-le très vite. Le dragon est sur le point de s'élever. Il aura un enfer embrasé de désobéissance émanant de ses yeux. Faites-le maintenant. Faites-le maintenant.